Un duel bruxellois ce dimanche. Le Sporting d'Anderlecht accueille l'Union Saint-Gilloise. C'est aussi le premier match de Brian Rainer à domicile. Le coach se dit confiant. Nous avons plein de bons et jeunes joueurs Anderlecht qui progressent vraiment bien et qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir des opportunités. Anderlecht a perdu ses 5 derniers matchs face à l'Union. Plusieurs joueurs du Sporting manqueront à l'appel pour cause de blessures. Les défenseurs Hannes Delcroix ou Zeno De Bast. Zeno est un jeune joueur et la première priorité pour nous, c'est évidemment sa santé. Et malheureusement, je ne suis pas un docteur, mais évidemment, ce qu'on recherche toujours, c'est de réduire les risques de blessures. Un match symbolique qui suscite l'engouement dans la capitale. Les Bruxellois ont leur pronostic. Je préfère qu'Anderlecht gagne. Un pronostic ? 2-1. Anderlecht est plutôt mauvais en ce moment. Votre pronostic ? 2-0. 2-1. Anderlecht. Union Saint-Gilloise, c'est sûr. Hein. Alors là, ils vont gagner, c'est sûr ça. Oui, je pense que l'Union va gagner parce qu'ils sont beaucoup plus forts. Saint-Gilles, actuellement, est en nette progression. Anderlecht, ça fait longtemps qu'ils jouent pas bien, du coup, je pense qu'ils vont perdre encore une fois. Le match se tiendra au Lotto Park ce dimanche pour la 19e journée de Pro League. C'est aussi la première journée de championnat de 2023.